La Bible en un an, la 9e journée, le livre de la Genèse, le chapitre 20, verset 1, au chapitre 22, verset 24, le livre des Psaumes, chapitre 9, verset 1 à 13, le livre des Proverbes, chapitre 2, le verset 9 à 15, l'évangile de Marc, le chapitre 6, verset 30 à 56. Le livre de la Genèse, chapitre 20. Abraham partit de là pour la région du Négev. Il s'installa entre Kadès et Shur et fit un séjour à Guérar. Abraham disait, à propos de sa femme Sarah, « C'est ma sœur. » Abimélec, roi de Guérar, fit enlever Sarah. Alors Dieu apparut à Abimélec dans un rêve pendant la nuit et lui dit, « Tu vas mourir à cause de la femme que tu vas enlever, car elle est mariée. » Abimélec, qui ne s'était pas encore approché d'elle, répondit, « Seigneur, détruirais-tu même une nation juste? Ne m'a-t-il pas dit qu'elle était sa sœur, et elle-même n'a-t-elle pas dit qu'il était son frère? C'est avec un cœur intègre et des mains innocentes que j'ai agi. » Dieu lui dit dans son rêve, « Je sais moi aussi que tu as agi avec un cœur intègre, si bien que je t'ai moi-même empêché de pécher contre moi. Voilà pourquoi je n'ai pas permis que tu la touches. Maintenant, rends la femme de cet homme, car c'est un prophète. Il priera pour toi et tu vivras. Mais si tu ne la rends pas, sache que tu mourras, toi et tout ce qui t'appartient. » Abimélec se leva de bon matin, appela tous ses serviteurs et leur raconta toute l'affaire. Ces gens furent alors saisis d'une grande frayeur. Abimélec appela aussi Abraham et lui dit, « Qu'est-ce que tu nous as fait? Quel péché ai-je commis contre toi pour que tu fasses venir sur moi et sur mon royaume un si grand péché? Tu as commis envers moi des actes qui ne doivent pas se commettre. » Abimélec dit encore à Abraham, « Quelle intention avais-tu pour agir ainsi? » Abraham répondit, « Je me disais qu'il n'y avait sans doute aucune crainte de Dieu dans ce pays et que l'on me tuerait à cause de ma femme. De plus, il est vrai qu'elle est ma sœur, puisqu'elle est la fille de mon père. Seulement, elle n'est pas la fille de ma mère et elle est devenue ma femme. Lorsque Dieu m'a fait errer loin de ma famille, j'ai dit à Sarah, « Voici l'acte de bonté dont tu pourras faire preuve envers moi. Partout où nous irons, présente-moi comme ton frère. » Abimélec prit des brebis et des bœufs, des serviteurs et des servantes, et il les donna à Abraham. De plus, il lui rendit sa femme Sarah en disant, « Mon pays est devant toi, installe-toi où il te plaira. » Quant à Sarah, il lui dit, « Je donne à ton frère 1000 pièces d'argent. Ce sera pour toi comme un voile sur les yeux pour tous ceux qui sont avec toi. Ainsi, ton innocence sera prouvée devant tous. » Abraham pria Dieu, et Dieu guérit Abimélec, sa femme et ses servantes, de sorte qu'elles purent avoir des enfants. En effet, l'Éternel avait frappé de stérilité tout le foyer d'Abimélec à cause de Sarah, la femme d'Abraham. Le livre de la Genèse, chapitre 21. L'Éternel intervint en faveur de Sarah. Comme il l'avait dit, il accomplit pour elle ce qu'il avait promis. Sarah tomba enceinte et donna un fils à Abraham dans sa vieillesse, au moment fixé dont Dieu lui avait parlé. Abraham appela Isaac, le fils qui lui était né, que Sarah lui avait donné. Il circoncit son fils Isaac lorsqu'il fut âgé de 8 jours, comme Dieu le lui avait ordonné. Abraham était âgé de 100 ans à la naissance de son fils Isaac. Sarah dit, « Dieu m'a donné un sujet de rire et tous ceux qui l'apprendront riront de moi. » Elle ajouta, « Qui aurait osé dire à Abraham, « Sarah allaitera des enfants. Pourtant, je lui ai donné un fils dans sa vieillesse. » L'enfant grandit et fut sevré. Abraham fit un grand festin le jour où Isaac fut sevré. Sarah vit rire le fils que l'Égyptienne Agar avait donné à Abraham. Alors elle dit à Abraham, « Chasse cet esclave et son fils, car le fils de cet esclave n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. » Cette parole déplut beaucoup à Abraham parce que c'était son fils. Cependant, Dieu dit à Abraham, «
Que cela ne te déplaise pas à cause de l'enfant et de ton esclave. Quoi que te dise Sarah, écoute-la, car c'est par Isaac qu'une descendance te sera assurée. Je ferai aussi une nation du fils de l'esclave, car il est ta descendance. Abraham se leva de bon matin. Il prit du pain et une outre d'eau qu'il donna à Agar et plaça sur son épaule. Il lui remit aussi l'enfant et la renvoya. Elle s'en alla et se perdit dans le désert de Beer-Sheba. Quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle laissa l'enfant sous un des arbrisseaux et alla s'asseoir vis-à-vis, à la distance d'une portée d'arc, car elle se disait « Je ne veux pas voir mourir mon enfant ». Elle s'assit donc vis-à-vis de lui et se mit à pleurer tout haut. Dieu entendit les cris de l'enfant. L'ange de Dieu appela Agar depuis le ciel et lui dit « Qu'as-tu, Agar? N'aie pas peur, car Dieu a entendu les cris de l'enfant là où il se trouve. Lève-toi, relève l'enfant et tiens-le par la main, car je ferai de lui une grande nation. » Dieu lui ouvrit les yeux et elle vit un puits. Elle alla remplir l'outre d'eau et donna à boire à l'enfant. Dieu fut avec l'enfant. Celui-ci grandit, habita dans le désert et devint tireur à l'arc. Il s'installa dans le désert de Paran et sa mère prit pour lui une femme égyptienne. À cette époque-là, Abimélec, accompagné de Picol, le chef de son armée, dit à Abraham, « Dieu est avec toi dans tout ce que tu fais. Jure-moi maintenant ici, au nom de Dieu, que tu ne me tromperas pas, ni moi, ni mes enfants, ni mes petits-enfants, et que tu feras preuve envers moi et envers le pays où tu séjournes de la même bonté que moi envers toi. » Abraham dit, « Je le jurerai. » Il fit toutefois des reproches à Abimélec au sujet d'un puits dont les serviteurs d'Abimélec s'étaient emparés de force. Abimélec répondit, « J'ignore qui a fait cela. Tu ne m'en avais pas informé et moi-même, je n'en entends parler qu'aujourd'hui. » Abraham prit des brebis et des bœufs qu'il donna à Abimélec et ils conclurent tous les deux une alliance. Abraham mit à part 7 jeunes brebis. Abimélec dit à Abraham, « Qu'est-ce que ces 7 jeunes brebis que tu as mises à part? » Il répondit, « Tu accepteras ces 7 brebis de ma part, afin que cela me serve de témoignage que j'ai creusé ce puits. C'est pourquoi on appelle cet endroit Beer-Sheba, parce que c'est là qu'ils prêtèrent tous les deux serments. » Ils conclurent donc une alliance à Beer-Sheba. Puis Abimélec se leva avec Picol, le chef de son armée, et ils retournèrent dans le pays des Philistins. Abraham planta des tamaris à Beer-Sheba, et là il fit appel au nom de l'Éternel, le Dieu d'éternité. Abraham séjourna longtemps dans le pays des Philistins. Le livre de la Genèse, chapitre 22. Après cela, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il lui dit, « Abraham! » Celui-ci répondit, « Me voici! » Dieu dit, « Prends ton fils unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je t'indiquerai. » Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller à l'endroit que Dieu lui avait indiqué. Le 3e jour, Abraham leva les yeux et vit l'endroit de loin. Il dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne. Le jeune homme et moi, nous irons jusque là-bas pour adorer, puis nous reviendrons vers vous. » Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta lui-même le feu et le couteau. Ils marchèrent tous les deux ensemble. Alors Isaac s'adressa à son père Abraham en disant, « Mon père! » Il répondit, « Me voici, mon fils. » Isaac reprit, « Voici le feu et le bois, mais où se trouve l'agneau pour l'holocauste? » Abraham répondit, « Mon fils, Dieu pourvoira lui-même à l'agneau pour l'holocauste. » Et ils continuèrent à marcher tous les deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés à l'endroit que Dieu lui avait indiqué, Abraham y construisit un autel et rangea le bois. Il attacha son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham tendit la main
et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela depuis le ciel et dit, « Abraham! Abraham! » Il répondit, « Me voici! » L'ange dit, « Ne porte pas la main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils unique. » Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu par les cornes dans un buisson. Il alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à cet endroit le nom de Yahvé-Jiré. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, « À la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. » L'ange de l'Éternel appela une deuxième fois Abraham depuis le ciel. Il dit, « Je jure par moi-même, déclaration de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils unique, je te bénirai et je multiplierai ta descendance. Elle sera aussi nombreuse que les étoiles du ciel, pareil au sable qui est au bord de la mer. De plus, ta descendance possédera les villes de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta descendance, parce que tu m'as obéi. » Abraham retourna vers ses serviteurs. Ils se levèrent et repartirent ensemble à Beer-Sheba. En effet, Abraham habitait à Beer-Sheba. Après cela, on annonça à Abraham, « Milca a aussi donné des fils à ton frère Nakhor. Uts, son aîné, Buz, son frère, Kemuel, le père d'Aram, Kesed, Azo, Pildash, Jidlaf et Betuel. Betuel a eu pour fille Rebecca. Voilà les 8 fils que Milca a donnés à Nakhor, le frère d'Abraham. Sa concubine, appelée Réuma, a aussi mis au monde Tebash, Gaham, Taash et Maaka. Le livre des psaumes, chapitre 9. Au chef de cœur sur la mélodie de mort pour le fils, psaume de David. Je te louerai, Éternel, de tout mon cœur. Je raconterai toutes tes merveilles. Je ferai de toi le sujet de ma joie et de mon allégresse. Je chanterai ton nom, Dieu très haut. Mes ennemis reculent, ils trébuchent, ils disparaissent devant toi, car tu soutiens mon droit et ma cause. Tu sièges sur ton trône en juste juge. Tu réprimandes les nations, tu détruis le méchant, tu effaces leur nom pour toujours et à perpétuité. Plus d'ennemis, des ruines éternelles. Tu as détruit des villes et leur souvenir est perdu. L'Éternel règne pour toujours. Il a dressé son trône pour le jugement. Il juge le monde avec justice. Il juge les peuples avec droiture. L'Éternel est une forteresse pour l'opprimé, une forteresse dans les moments de détresse. Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi, car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent, Éternel. Chantez en l'honneur de l'Éternel qui siège à Sion, proclamez ses hauts faits parmi les peuples, car il venge le sang versé, il s'en souvient, il n'oublie pas le cri des malheureux. Le livre des Proverbes, chapitre 2. Tu comprendras alors ce que sont la justice, l'équité, la droiture, toutes les routes qui mènent au bien. En effet, la sagesse viendra dans ton cœur et la connaissance fera les délices de ton âme. La réflexion veillera sur toi, l'intelligence te protégera et ainsi tu seras délivré de la voie du mal, de l'homme qui tient des discours pervers, de ceux qui abandonnent les sentiers de la droiture pour marcher dans des chemins ténébreux, qui éprouvent de la joie à faire le mal, qui mettent leur plaisir dans la perversité, qui suivent des sentiers tortueux et des routes pleines de détours. Évangile de Marc, chapitre 6. Les apôtres se rassemblèrent autour de Jésus et lui racontèrent tout ce qu'ils avaient fait et tout ce qu'ils avaient enseigné. Jésus leur dit, « Venez à l'écart dans un endroit désert et reposez-vous un peu. » En effet, il y avait beaucoup de monde qui allait et venait, et ils n'avaient même pas le temps de manger. Ils partirent donc dans une barque pour aller à l'écart dans un endroit désert. Beaucoup de gens les virent s'en aller et le reconnurent, et de toutes les villes on accourut à pied et on les devança à l'endroit où ils se rendaient. Quand il sortit de la barque, Jésus vit une grande foule, et fut rempli de compassion pour eux,
parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont pas de berger. Et il se mit à leur enseigner beaucoup de choses. Comme l'heure était déjà bien tardive, ses disciples s'approchèrent de lui et dirent « Cet endroit est désert, il est déjà tard. » Renvoie-les afin qu'ils aillent dans les campagnes et dans les villages des environs pour s'acheter du pain, car ils n'ont rien à manger. » Jésus leur répondit « Donnez-leur vous-même à manger. » Mais ils lui dirent « Faut-il aller acheter des pains pour 200 pièces d'argent et leur donner à manger? » Il leur dit « Combien de pains avez-vous? Allez voir. » Ils s'en assurèrent et répondirent « 5 et 2 poissons. » Alors il leur ordonna de les faire tous asseoir par groupe sur l'herbe verte. Ils s'assirent par rangées de 100 et de 50. Il prit les 5 pains et les 2 poissons, leva les yeux vers le ciel et prononça la prière de bénédiction. Puis il rompit les pains et les donna aux disciples afin qu'ils les distribuent à la foule. Il partagea aussi les 2 poissons entre tous. Tous mangèrent et furent rassasiés. Et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux de pain et de ce qui restait des poissons. Ceux qui avaient mangé les pains étaient au nombre de 5000 hommes. Aussitôt après, il obligea ses disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive, vers Bethsaïda, pendant que lui-même renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il s'en alla sur la montagne pour prier. Le soir venu, la barque était au milieu du lac et Jésus était seul à terre. Il vit qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer, car le vent leur était contraire. Vers la fin de la nuit, il alla vers eux en marchant sur le lac, et ils voulaient les dépasser. Quand ils le virent marcher sur le lac, ils crurent que c'était un fantôme, et ils poussèrent des cris, car ils le voyaient tous et ils étaient affolés. Jésus leur parla aussitôt et leur dit, « Rassurez-vous, c'est moi. N'ayez pas peur. » Puis il monta près d'eux dans la barque et le vent tomba. Ils étaient en eux-mêmes extrêmement stupéfaits et étonnés, car ils n'avaient pas compris le miracle des pains parce que leur cœur était endurci. Après avoir traversé le lac, ils arrivèrent dans la région de Génézareth. Ils y abordèrent. Dès qu'ils furent sortis de la barque, les gens reconnurent Jésus et parcoururent tous les environs. Ils se mirent à apporter les malades sur des brancards là où ils apprenaient sa présence. Partout où il arrivait, dans les villages, dans les villes ou dans les campagnes, on mettait les malades sur des places publiques et on le suppliait de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement. Tous ceux qui le touchaient étaient guéris.